Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va consister à ma première night routine avec les enfants pour les soirées, enfin du moins fin de journée et soirée où je suis seule avec mes deux enfants, Olivia qui a 9 mois aujourd'hui et mon fils Maxime qui aura 2 ans en octobre. Pour l'instant, Olivia est gardée par moi et elle sera en nounou à partir de la semaine prochaine. Et Maxou est chez sa nounou. Donc là, il est 17h45, il est grand temps pour nous d'aller chercher Maxime chez sa nounou. Elle habite à 5 minutes de chez moi en voiture. Je voulais y aller à pied, mais Olivia a fait un énorme dodo sur moi. Je n'osais pas la réveiller, donc du coup, on y va en voiture. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça se passe quand je suis toute seule avec les deux bébés, puisque quand même, ce sont deux bébés de 13 mois d'écart. Voilà, donc première étape, aller chercher Maxou et oh, pardon, on se reparlera juste après. On est arrivé à la maison, donc première étape, c'est libérer Maxou. Je vais le mettre debout pour qu'il soit ici, il va me rejoindre là-bas où je vais libérer sa sœur. Ensuite, je donnerai la main à Maxou et j'aurai Olivia au bras et on montera chez moi puisque comme je pense que je vais vous insérer une petite vidéo, vous voyez que chez moi il y a des marches. Voilà, donc maintenant que Maxime marche super bien, c'est beaucoup plus pratique qu'au début où Olivia était en cosy et Maxou marchait pas trop bien. Quand Olivia est née quoi, parce que bah, c'était vraiment la galère pour moi, je devais souvent bah, le faire en deux fois. Voilà, donc c'est parti pour la manœuvre. Voilà. Voilà, donc là les enfants, enfin du moins Maxime a choisi de jouer dehors, donc ils vont faire un petit peu de toboggan. On a les petits jouets en bois pour Olivia et également ce petit trotteur qui est trop mignon. J'avais acheté ça chez Aldi il y a un petit moment. On manque pas de jeux par ici. Voilà, Olivia. Pas jouer. On manque pas de jeux par ici. On a souvent les amis, nos amis qui viennent avec leurs enfants, la famille. Donc on manque pas de trottinettes et de trotteurs. Voilà, mais là pour l'instant, Maxou joue avec sa perceuse et il répare. Et sa soeur, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va simplement lui courir après tout le long. Voilà, donc on va rester un petit peu ici et puis ensuite on montera certainement en haut. Alors, comme le vent se levait, on est monté en haut. Donc oui, je sais, on est monté tout court. Et là, les enfants vont jouer donc soit à leur busy board, soit dans la chambre. Alors, c'est le bordel parce qu'ils ont déjà joué dans la journée. Je rangerai ce soir quand ils iront se coucher. Donc, la piscine à balles, ils ne manquent pas d'occupation. Et leur jeu préféré, c'est la cuisine Ikea. Et ben moi, du coup, ce que je vais faire pendant ce temps, c'est ben, jouer avec eux, les regarder. Alors, ici, toujours mon gros bordel que je dois ranger à partir de la semaine prochaine puisque mes enfants font que me prendre, en fait, je trouve dans les tiroirs là, ils vident tout à chaque fois. Et à chaque fois, je superpose ici. Donc du coup, mon bureau est en gros bordel. Mais promis, la semaine prochaine, je range. Oui. Il faut appuyer sur le bouton, on va regarder. Attends. Et donc pendant qu'ils vont jouer, je vais jouer avec eux et commencer à faire un peu de rangement. Maxou, tu fais quoi? Je fais les bucs. Tu fais des bucs? Alors les bucs, donc c'est des cubes. C'est un jeu qu'il a eu à un jeu d'empilement tout simplement qu'il a eu à ses 1 an et c'est un de nos jeux préférés. On joue tout le temps et en plus comme ils sont numérotés, il a appris à compter grâce à ça. Notamment il compte jusqu'à 3 et puis il fait 1, 2, 3 et souvent il dit 7, 8, 9, enfin ça dépend. Ça l'a bien aidé et ça aussi, et ça, ce qui l'a aidé à apprendre à compter, c'est quand je mets les doses de lait dans son biberon. Voilà, donc les enfants jouent ensemble et moi je vais me joindre à eux tout simplement et puis j'irai faire un peu de rangement. Je suis toujours en train de faire du tri comme vous voyez là, ça c'est en principe ce que je dois trier. Voilà, quand ils sont calmes ou comme ça, moi je peux ranger du linge par exemple, ça m'avance un petit peu. Et voilà, pendant que les enfants jouent, moi je vais m'atteler à ranger le petit linge des enfants, tout ce qui est body et pyjama, notamment j'ai fait un gros plein chez CEA hier. Donc voilà, je vais tout dispatcher au bon endroit.
Je voulais juste vous montrer comment je me fais pour faire le bain à deux bébés quand je suis toute seule. Alors tout simplement, je les déshabille d'abord. Ma fille, je la mets dans cet anneau qui est vraiment très très pratique. Comme ça, là, elle est assise, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas sortir. Mon fils, mais là, il fait sa vie à côté, elle tapis antidérapant, donc c'est parfait. Et comme ça, je peux me laver les deux sans problème. Et ensuite, alors attendez 2 secondes. Alors oui, j'ai changé de tête puisque j'avais supprimé la séquence d'avant. Donc c'est moi plus tard. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'installe simplement un coin pour sécher ma fille, l'habiller, tout ça dans la salle de bain. Comme ça, j'ai toujours mon fils dans le coin de l'œil. Voilà, quand ma fille est bien propre, bien séchée, habillée en pyjama et tout, je la remets par terre tranquillement et je m'occupe de son frère. Et voilà, c'est vrai que c'est plus pratique depuis que ma fille tient assise. Pour la laver, du coup je peux la mettre dans l'anneau, ce qui n'était pas le cas quand elle était toute bébé, où j'attendais mon mari pour faire le bain. Mais quand il rentre à 19h30, c'est plus simple de faire les mêmes beaucoup plus tôt, parce que sinon on n'est pas couché avant super tard. J'ai installé Maxou sur sa chaise haute pour son repas que je vais préparer. Alors du coup, it's me. Ce que je fais, c'est que j'essaye de préparer à l'avance pour qu'au moins à 19h30 maximum, tout est installé. Donc aujourd'hui c'est lasagne végétarienne pour tout le monde. Et je vais préparer des tomates cerises pour l'entrée de Maxime. Donc ensuite les lasagnes, au dessert ça sera un yaourt à la grecque avec du miel. Tout simplement, voilà, j'essaye de faire à l'avance le repas pour tout le monde. Comme ça évite à la dernière minute de pas savoir quoi faire et de manger tard. Surtout que là ça y est, c'est 19h passé. La fatigue a pris le dessus et on sait tous très bien que quand la fatigue prend le dessus, c'est les bêtises qui commencent. Donc je vais m'activer immédiatement et je vous montre tout ça. Alors voici les tomates, la petite eau, le yaourt pour le dessert avec du miel et les lasagnes. On n'a plus qu'à souhaiter un bon appétit à Maxou. Et voilà, c'est l'heure du dodo. Alors ce que je vais faire, c'est qu'avant d'aller dormir, je vais remettre la chambre et le couloir en état pour être prêt demain à recommencer une nouvelle journée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas vous les filmer, mais Maxime et mon mari vont aller dans le petit lit ici, lire les histoires. J'en mets un peu ici, des histoires, un peu là et un peu dans l'étagère qui est derrière, parce que on n'a pas assez de place pour mettre une vraie bibliothèque. Et parfois même, on en trouve en dessous, mais ce sera pas le cas aujourd'hui. Donc je vais ranger et on se reparle après. Et le livre du soir, ça sera le Cherche et Trouve de Petit Loup. J'adore. Et Maxime aussi. Voilà, ces petits loups dans plusieurs situations. Et on doit chercher à chaque fois les éléments du dessin. Et j'adore. Et Maxime aussi, on passe beaucoup de temps dessus. Voilà, alors il est 20h19, Nico est en train d'endormir Maxou, moi je suis avec Olivia. Aujourd'hui je vais la coucher un peu plus tard parce qu'elle a fait une grosse sieste. Elle s'est réveillée quasiment à 18h, donc je vais essayer de lui donner un biberon vers 21h, 21h30 et de l'endormir à ce moment-là, ou plutôt si elle montre des signes de fatigue. En attendant, je vais ranger tout le bazar, faire la vaisselle des biberons, préparer pour demain les tupères de mon mari et celui de mon fils. Alors attendez 2 secondes. Je vais préparer les tupères de tout le monde, donc ça sera la lasagne à nouveau. C'est pour ça, là j'ai fait un méga gros plat. Oui, pardon, voilà. Donc ça ira très très bien. J'aime bien faire ce genre de gros plats familiaux parce que du coup ça permet de manger pendant un moment et moi de pas me prendre la tête, surtout que comme je vous l'ai dit, demain il y a une journée assez chargée, du moins une matinée assez chargée. Voilà. Et je vais également préparer les affaires. Fallait. J'ai peur que ma fille tombe. Je vais également préparer le sac à dos de tout le monde. Donc de Maxime et d'Olivia, comme ça sera fait. Je vais voir si je peux vous filmer ou pas. Mais comme il commence à faire nuit, c'est pas sûr. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite une très très bonne journée. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à. Alors attendez, hop. Je vais voir Olivia. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce et à vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, et puis soyez indulgents pour le bazar. J'ai voulu être vraiment vraie avec vous. Ma maison, c'est pas un château, c'est la vie, c'est le quotidien. Donc il y a du bazar et c'est comme ça, c'est ça d'être maman. Voilà, bonne fin de journée à tous.